Allez, bienvenue si vous venez d'arriver sur Intensité. Je vous rappelle que nous sommes toujours du côté de la CCI à Chartres, hein, The Place by CCI, incubateur d'innovation, donc qui accompagne des porteurs de projets, des start-upers justement. Et j'accueille une nouvelle porteuse de projet, c'est Catherine Lam. Bonjour. Bonsoir. Alors, vous nous présentez votre projet donc dans la cosmétique, c'est ça ? Tout à fait. Expliquez-nous. Donc, Loesia, c'est une marque de cosmétiques biologiques et naturels qui est entièrement fabriquée en France avec une première gamme de rouge à lèvres qui a été suivie par du démaquillant. D'accord. Donc, un rouge à lèvres, vous le disiez, en pleine période de pandémie avec c'est des pas masques. Évident. Mais vous avez un masque transparent, évidemment, donc qui permet aussi aux malentendants de pouvoir nous comprendre. Voilà, tout à fait. C'est important. Et donc, de montrer aussi le rouge à lèvres. Alors, expliquez-nous, donc, Loesia, à l'origine de nos émotions, cosmétiques, donc 100% naturel. Pourquoi vous êtes lancée dans ce projet ? De quoi c'est parti, Catherine ? En fait, comme un Français sur trois, moi j'ai des problèmes de peau. J'ai une peau très sensible et réactive. D'accord. Et comme je ne trouvais pas de produits adaptés à ma sensibilité, que j'ai une maîtrise de chimie, je me suis dit, bah, autant les faire toute seule. Donc, je n'ai sélectionné que des ingrédients naturels et proposé des cosmétiques adaptés à tous. Ok. Vous avez commencé quand et quel a été le cheminement jusqu'à maintenant ? Alors, j'ai quitté mon emploi en juillet 2017. Donc après, il fallait trouver les premiers partenaires. Pendant plus de 8 mois, j'étais en laboratoire pour formuler les premiers produits. Mmh. Et on arrive en novembre 2019 où j'ai lancé la marque avec la première gamme de rouge à lèvres. Ok, donc ça a été relativement vite, hein, 2 ans. Oui, 2 ans, c'est... Oui, c'est Après, ça dépend comment on se place. Mais vrai. Là, quand on voit ça rétrospectivement, on se dit 2 ans quand même pour lancer un produit, c'est assez rapide. Et donc là, votre gamme s'étend à combien de produits ? Donc, il y a 7 teintes de rouge à lèvres. D'accord. Plus des démaquillants, 2 types de démaquillants en fonction de son type de peau. Ok. Le packaging aussi, on peut en parler ? Bien sûr. Donc, je voulais absolument faire du 100% français. C'est pour ça que je dis que le rouge à lèvres est fabriqué du bâton jusqu'à petite étiquette en France. D'accord. Où ça ? Les tubes sont fabriqués vers l'Orient. D'accord. Les cartons sont fabriqués à Clermont-Ferrand, pardon. Ouais. Et les étiquettes vers Aix-en-Provence. D'accord. Sachant qu'également, je tiens à préciser que les bâtons rouge à lèvres sont fabriqués à Nogent-le-Rotrou. Super, donc en Eure-et-Loire. Voilà. Parfait. Et donc vous êtes plutôt originaire de la région parisienne et vous vous êtes rapproché de Chartres à la CCI, évidemment, pour être suivi, essayer d'avoir un maximum de réseau, surtout de vous rapprocher de la Cosmetic Valley, certainement. Oui, tout à fait. En fait, à Paris, il y a tellement de monde qui crée de nouvelles sociétés, surtout dans le numérique, dans la technologie. Donc moi, je voulais m'excentrer et vraiment venir à Chartres, au cœur de la Cosmetic Valley. Et quelle est votre zone de distribution, vos méthodes de distribution, pardon, et les partenaires que vous avez peut-être à l'heure actuelle ? Alors, à l'heure actuelle, je suis distribuée dans une dizaine de boutiques en France. Ce sont essentiellement des concept stores. D'accord. Et je viens juste de signer un contrat avec Nocibé pour être présent D'accord. en ligne. Ok, donc vous serez présent en ligne sur le site internet de Nocibé. C'est ça. Voilà, donc la marque, c'est Loesia. Tout à fait. C'est bien ça. Donc, des produits 100% naturels, démaquillants et également 7 teintes de rouge à lèvres différentes. Et puis, avec tout le packaging éco-responsable fabriqué en France, etc., etc. En tous les cas, est-ce que vous pouvez nous donner site internet, réseaux sociaux où on peut déjà retrouver tout donc, ça ? Le site internet, c'est www.loesia.fr. Mmh. Et tout ce qui est réseaux sociaux, c'est Loesia Makeup. Loesia, donc Loesia.fr et Loesia Makeup, donc sur Insta. C'est ça, vous avez dit. Donc, Catherine Lam, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Donc, on va continuer évidemment à aller à la rencontre d'autres start-upers, d'autres porteurs de projets et des créateurs d'entreprises même maintenant. Restez à l'écoute d'Intensité. Nous sommes du côté de la CCI à Chartres, The Place by CCI, incubateur d'innovation.